S'il y a bien une civilisation qui a marqué l'imaginaire romantique occidental, c'est celle des Mayas. Ces cités sans habitants, englouties par la végétation, ces temples abandonnés aux hiéroglyphes mystérieux, sont devenus l'archétype de la découverte archéologique et ont connu une postérité parfois assez improbable. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de la rentrée où nous allons nous intéresser à la fameuse disparition des Mayas. Tout commence par la mission d'exploration par John Lloyd Stephens et Frederick Catherwood menée entre 1839 et 1841. Ce qui, au départ une mission diplomatique, permet finalement la redécouverte de plusieurs cités perdues. Certains sites avaient déjà été décrits par des voyageurs, tels que celui de Copan par un colonel de l'armée guatémaltèque quelques années plus tôt. Mais tout cela reste assez confidentiel pour le grand public. Et c'est là que notre Catherwood intervient. Il est dessinateur et aquarelliste, il a voyagé au Moyen-Orient, et ses panoramas de ruines antiques ont déjà fasciné le public londonien. Ses lithographies, dessins et peintures sont publiés dans un ouvrage, Incidents of Travel in Central America, et montrent ces ruines antiques désertées aux inscriptions étranges. C'est vraiment à partir de ce moment-là que le public est conquis et se passionne pour la mystérieuse disparition des Mayas. Les récits farfelus vont très vite arriver, et pour n'en citer qu'un, celui de James Churchward en 1932, qui fait de ces ruines l'œuvre des habitants du mythique continent de Mu. Essayons de comprendre cette fascination. À la différence des Aztèques, les grandes cités mayas n'ont pas été attaquées par les Espagnols au XVIe siècle. Elles étaient déjà abandonnées à cette époque, et c'est pourquoi elles ont pu incarner un certain mystère. Pour une fois, les Européens n'y étaient pour rien, et on avait là des sites archéologiques purs, en quelque sorte. Il n'y a donc pas de grands récits détaillés de la conquête comme celui de Bernal Diaz del Castillo pour les Aztèques. On a bien des archives sur les conquêtes, notamment celle du dernier royaume Itza à la toute fin du XVIIe siècle, mais cette histoire reste assez peu diffusée. La raison principale de cet engouement teinté de mystère pour les Mayas est, à mon avis, le décalage entre ces imposants vestiges qui appellent une explication et l'absence de récits historiques aussi linéaires que celui des Aztèques. Ces derniers ont d'ailleurs été conquis en 2 ans. Rien de tel pour les Mayas. Mais tout ça, ça nous donne pas les raisons de cette disparition. De nombreux auteurs, pas tous archéologues d'ailleurs, comme Jared Diamond dont je reparlerai tout à l'heure, se sont penchés sur cette question. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous donner quelques repères chronologiques. Les ruines qui servent de support à notre imaginaire sont de la période dite classique, s'étendant entre 300 et 900 après Jésus-Christ, ce qui correspond à notre haut Moyen-Âge en quelque sorte. À la fin de la période, les cités des Basses Terres, capitales des grands royaumes, périclitent, tandis que le nord de la péninsule du Yucatan prospère un temps avant de sombrer à son tour. L'effondrement de la civilisation classique a été un véritable aiguillon pour la recherche scientifique et cela a engendré de nombreux débats chez les spécialistes. Et dans toutes les théories que j'ai pu lire à ce sujet, eh bien, on peut distinguer quelques facteurs principaux. Les archéologues constatent un état de guerre généralisé à la fin de la période. On voit les villages se fortifier, les installations humaines recherchent les reliefs pour se retrancher, on bâtit de vastes réseaux de murailles, et il semble que toute la société ait été affectée par de graves conflits. L'organisation du monde maya en cité-état rival est en effet propice au conflit. Les élites royales tentent par ce moyen d'acquérir du prestige, mais est-ce que ça aurait pu dégénérer au point de faire disparaître les royaumes ? D'autres scientifiques ont avancé l'hypothèse de guerres externes, notamment des invasions par l'ouest du pays, car on voit de nouveaux styles de poterie qui apparaissent notamment à cette époque. Alors le coût de la poterie, ça peut sembler insignifiant, mais c'est bien souvent un indice d'invasion pour les archéologues. Mais cette dernière hypothèse est en partie abandonnée de nos jours grâce aux travaux archéologiques. La mutation observée s'est probablement déroulée sur place. Autre théorie, un grave changement climatique serait survenu, entraînant sécheresse, famine et donc de violentes guerres pour le contrôle des ressources. Les analyses archéo-environnementales viennent une nouvelle fois contredire ce schéma. Aucune trace de cataclysme environnemental, seulement quelques épisodes difficiles, mais leur lien avec les effondrements est incertain. Alors, la pression sur l'environnement, c'est une théorie populaire, mettant en avant la surpopulation qui aurait entraîné une surexploitation de la forêt et des sols. Ces phénomènes de dégradation de l'environnement sont identifiés à plusieurs endroits, mais ne semblent encore une fois pas suffisants pour leur faire porter seuls la responsabilité de l'effondrement classique. Jared Diamond, qui consacre aux Mayas le chapitre 5 de son best-seller « Effondrement », met l'accent sur ses causes environnementales, notamment sur la déforestation,
conséquences de la fabrication du stuc qui servait à blanchir les temples. Le stuc, c'est un enduit à base de chaux. Il faut donc brûler de très grandes quantités de calcaire pour oxyder le calcium qu'il contient, et donc ça demande un approvisionnement en bois très très important. L'ornementation croissante des temples, qui prenait part à la rivalité entre les cités, pourrait avoir causé de graves déforestations, entraînant des glissements de terrain, un appauvrissement des sols, une baisse de précipitations, etc., etc. Voilà pour trois causes qui ont pu influer en se combinant sans doute sur le déclin de la civilisation urbaine médiévale maya. Et les survivants à toutes ces crises, eh bien, ils n'étaient pas au bout de leur peine. Et je continue la liste. En effet, comme les autres peuples amérindiens, les Mayas ont été gravement touchés par les épidémies européennes. Restés sans contact avec le vieux monde pendant des millénaires, les Indiens ne se sont pas adaptés aux microbes et autres virus qui ont affecté les Européens, Africains et Asiatiques dans ce laps de temps. Alors quand arrive en 1511 dans l'est du Yucatan une chaloupe de naufragés espagnols, une grave épidémie ravage rapidement la région. Quand les Européens entament la conquête des dernières principautés Mayas, elles sont déjà très lourdement affaiblies par ces nouvelles maladies. Je viens d'en parler, et à cela il faut ajouter de véritables épisodes de conquête espagnole qui viennent en quelque sorte finir le travail. A partir de 1524, Francisco de Montero et Pedro de Alvarado, deux compagnons de Cortés qui ont participé à la prise de Mexico, mènent des expéditions pour contrôler ces terres et se constituer de grandes fortunes au nom du roi d'Espagne. Après avoir listé ces causes, eh ben on est à peine plus avancé. Et on ne peut que conclure que c'est une conjugaison de facteurs qui a contribué à cet effondrement. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un facteur qui aurait causé cette disparition, c'est peut-être tout simplement parce que les Mayas n'ont pas disparu. Et quand je dis ça, c'est pas qu'il en reste un ou deux perdus dans la forêt. Les Mayas n'ont pas disparu du tout. Le Mexique reste habité par des millions de Mayas parlant des dizaines de langues qui restent très proches de celles que parlaient les habitants des fameuses ruines. On s'en rend particulièrement compte quand on prend le métro à Mexico, on croise des profils, des silhouettes, des visages que l'on retrouve gravés sur les stèles de Palenque ou de Chichen Itza. Les Mayas n'ont jamais disparu, ils ont simplement abandonné leur ville médiévale. Donc il faudrait à présent non plus parler de disparition, mais de crise, et même plutôt de crise de la civilisation urbaine. Les facteurs qu'on a décrits plus haut ont conduit certaines villes mayas à être abandonnées, mais de nouveaux centres urbains ont émergé par la suite, peut-être pas bâtis en pierre avec d'immenses temples blanchis à la chaux, mais ces villes étaient bien là. Les Espagnols qui ont dû les assiéger pourraient en témoigner. Si certaines villes ont été abandonnées, bah ça n'a pas forcément été le cas pour les campagnes environnantes qui pouvaient rester très peuplées. Une fois les grands royaumes urbains disparus, eh bien les problèmes qu'on a listés disparaissent avec eux. Plus besoin de faire la guerre pour des chefs assoiffés de pouvoir, plus besoin de ravager les forêts pour des prêtres mégalos, retour à la bonne vieille principauté paysanne qui pète pas plus haut que son cul, mais du coup n'a pas trop de mal à survivre. Les habitants ont sans doute fui les villes et leurs conflits permanents pour se réfugier dans les campagnes ou de nouvelles cités secondaires. Les Mayas n'ont pas disparu parce qu'ils avaient encore la possibilité de vivre hors des villes, et ce sont en définitive ces éléments urbains les plus fragiles de leur société qui ont succombé à cette grande crise. Quand on y pense, c'est un peu effrayant dans notre cas au XXIe siècle, la grande majorité d'entre nous aurait bien du mal s'il fallait vivre sans ville, pour se nourrir ou pour se loger, par exemple. Si on pense souvent que les Mayas ont disparu, c'est qu'encore une fois, ce que l'on retient de leur histoire est uniquement ce qui nous intéresse, une affaire de mystère, de grands bouleversements ou de redécouvertes sensationnelles par de courageux explorateurs. La vérité, comme souvent, est beaucoup plus complexe et moins sexy, comme j'espère avoir réussi à vous le faire entrevoir. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez le partager et vous abonner à la chaîne et également poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Enfin, si vous voulez me soutenir, c'est sur Tipeee que ça se passe. Le lien est ici, dans le petit i, ou en barre d'infos et sur la page d'accueil de ma chaîne. À bientôt !